Est-ce que tu m'entends, là? Oui, je t'entends. Est-ce qu'on fait la paix d'après toi, Alexis, là? Je sais pas, ça... On dirait que Sting... Voilà, poignée de main. Triple H qui offre une poignée de main à Sting. Sting s'approche, n'est pas trop sûr. Et va lui serrer la main. Bravo. Très beau geste. Très beau geste. Ce sont des amis dans la vie, Alexis, ces deux-là. Ah, vous venez de m'apprendre la fois, j'ai pas. Oui, ce sont des amis dans la vie. Et voilà, les deux, au bravo. Vient lui tapoter le derrière de la tête. Donc, NWO contre DX. Et c'est la DX et Triple H qui remportent la victoire. Bon match. Sting a fait son possible. Voilà. Et les gens là-bas, Alexis, vous l'applaudissez, là. Oh, oui, c'est très beau combat de Sting. J'espère que l'année prochaine, je vais le revoir lutter. Écoute, il y a encore le charisme, ça c'est clair, net et précis. Est-ce qu'il a les... encore, je pense que oui. Est-ce qu'il a encore les attributs pour le faire? Oui. Mais oui. Je pense que son charisme est indéniable. Et ce qu'on vient de voir là, ben, c'était un grand match. Et j'avoue que NWO contre la DX, c'était pas une méchante idée, ça. C'était très, 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 très beau, très le fun à voir. Mais en bout de ligne, je suis un peu triste parce que la WCW et la NWO ont encore perdu. Ouais. Vous savez que la WWE règne encore sur la WCW, mais c'était un beau clin d'œil, je pense, à faire à la WCW. Oui, parce que il y a des jeunes comme moi qui n'ont pas vécu vraiment la WCW qui maintenant savent. Moi, je savais déjà, mais des jeunes que moi, maintenant, ils savent c'est qui vraiment la NWO. OK, oui, c'est vrai. Puis, il faut dire qu'ils sont pas jeunes. T'as vu ce que ça avait l'air, là, les grands-papas, là? Oui. Mais écoute, c'était... toi, t'as pas connu la NWO. C'était de vraiment des grands moments de lutte avec Sting, là, qui tentait de leur tenir tête. Ça a duré quelques années. Et c'était de la très, très belle lutte. Et c'était de la guerre à l'époque entre la WCW et la WWF et la WWE par après. Oui. Et ce soir, on a fait un clin d'œil à ça. Malheureusement, le Stinger a été défait. Triple H a remporté la victoire. C'est comme ça. Est-ce qu'on va voir le Stinger dans le futur? Là, va falloir être aux aguets. Va falloir voir ce qui va se passer avec ça. Mais moi, je pense que oui. Oui, parce que demain, il est supposé, selon les derniers pourparlers, qu'il va être à Raw demain, en direct de San Jose. OK, bon, ben, parfait, on va avoir des nouvelles demain. Écoute, Alexis, je vais te laisser aller. Je vais te laisser continuer ta carte. Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu jusqu'à là? Oui, surtout le match pour la ceinture intercontinentale qui est gagné par mon préféré, Daniel Bryan. Merci, Bryan. Monsieur Daniel Bryan, effectivement. Il est avec Pat Patterson en ce moment, notre fameux Québécois. Oui. Premier champion intercontinental. Il y a même Roddy Piper qu'on voit à l'écran, là. Oui. Et Roddy Piper qui est en... Il vient de féliciter Bryan. OK, je vais te laisser. Je suive plus le WrestleMania. Yes, merci beaucoup Alexis de tes commentaires. Écoute, on a vécu ensemble quelque chose de merveilleux. Malheureusement, on a été pris de court un petit peu. Mais écoute, c'était vraiment trippant. J'aurais cru qu'on aurait vu ça plus tard, mais bon. Mais c'était vraiment trippant de voir ça. Merci Alexis, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. À bientôt, on se reparle bientôt. Merci, bye. Bye. Alors, c'était mon ami Alexis qui est en direct de là-bas, San Francisco. Écoutez, mesdames, messieurs, le combat de Sting et Triple H est terminé. Ce fut vraiment quelque chose de bien. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est Triple H qui a vaincu Sting avec une prise
Je crois que c'était une corde à linge, en fait, mais suite à une succession d'autres prises. Et on a vu la NWO, les anciens de la WCW qui sont venus aider Sting. Et il y a eu la D-Generation X qui sont venus donner un coup de main également à Triple H. Donc on a eu un petit clin d'œil sur la guerre entre la WCW et la WWE à l'époque. Guerre qui avait été évidemment remportée par la WWE en achetant la WCW. Donc merci à tous ceux qui ont été avec nous. Ce fut rapide, ce fut bref. J'avais des entrevues, j'avais toutes sortes de choses de prévues pour vous autres. Mais le combat est chose du passé. Alors, encore une fois, merci d'être là. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. C'était l'émission spéciale de Parlons Sport qui vous présentait le match entre Sting et Triple H à WrestleMania 31. Match remporté par Triple H. Et je vous dis bonsoir. Merci à Alexis Hort qui est avec nous. Je suis Gilbert Bellil et je vous dis à la prochaine. Surtout, ne manquez pas nos émissions régulières mercredi, 19h30. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne fin de semaine. À la prochaine. Responsibility than you could ever possibly fathom. Sting, I am not sure why you decided to come here. I'm not sure why you decided to stick your painted face in our business. Pedigree. Oh, Sting! What? Stinger's here! Oh! Stinger strikes!
without the authority, without my wife Stephanie, without me, this place has no future. I always said you were one of the best chess players of all time. You want to play chess? You want to play games? It's your move. No matter what, it's gonna happen. There will be a match.